Nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Pour que l'argent arrive avec cette nouvelle année, c'est le thème du rituel de ce jour. Alors, facile, simple et très rapide. Dans un verre transparent, vous allez mettre du sucre à l'intérieur, du sucre blanc que vous utilisez quotidiennement. Ok? À l'intérieur, vous allez prendre le billet le plus gros possible, un billet le plus gros possible de circulation, de domination de ton pays. D'accord? Tu vas tout simplement le plier comme ça t'enchante, comme tu veux. D'accord? Mais prends le plus gros billet possible que tu veux. D'accord? Tu vas venir l'enterrer dans du sucre de cette manière. D'accord? Ensuite, tu vas venir ici là, prendre de la poudre d'anis. Si tu n'as pas de la poudre d'anis, tu peux faire comme moi. Tu le mets dans ton mortier et tu le fais piler comme ceci, comme je fais, pour pouvoir obtenir de la poudre. Cette poudre-là, tu vas le saupoudrer au-dessus. D'accord? Tu le saupoudres bien, 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 bien. Voilà. L'anis, qui est un excellent pour éliminer les mauvaises énergies et vous aidera à apporter de l'argent, vos emplois, si vous êtes dans le besoin, l'abondance et la prospérité économique. La porte de la croissance économique financière et de la main d'œuvre. Alors, vous allez le mettre comme ceci, la poudre d'anis ou l'anis est vraiment parfait. Moi, j'en consomme aussi comme comme de la tisane. Ok, bien, une fois fait ceci, vous allez déposer au-dessus soit une bougie de vanille, ok, soit une bougie verte, soit une bougie argentée, soit une bougie jaune. Moi, je vais déposer la bougie jaune au-dessus. Et ensuite, je vais l'allumer. Ok? Je vais l'allumer en même temps. Voilà ma bougie. Je vous rappelle que c'est un rituel pour attirer l'argent pour cette nouvelle année. Une fois que vous l'avez fait comme ceci, ok? Vous irez la déposer soit à l'entrée principale de votre domicile, pour que l'argent entre, d'accord, soit sur la fenêtre ou votre balcon, d'accord. Ça, c'est pour la nouvelle année. Et en la déposant, répétez ceci: argent, viens-moi par les quatre points cardinaux. Argent, viens-moi par les quatre points cardinaux. Argent, viens-moi par les quatre points cardinaux. Répète-le autant de fois que tu veux. Argent, viens-moi par les quatre points cardinaux. Tu le fais comme ceci. Tu déposes, tu le laisses là-bas, comme j'ai dit. Ok? Et tu pourras le débarrasser après les fêtes. Tu le débarrasses après les fêtes. Ça peut être le 2 janvier. Ça peut être le 3, le 4, le 5. C'est comme tu veux, franchement. Tu le débarrasses quand tu veux. Quand je dis débarrasser, c'est quoi? Tu retires ton rituel là où tu l'as déposé. Parce que ta bougie, oui, elle serait déjà éteinte. N'allez pas brûler votre maison. Ok? Elle serait déjà éteinte, ta bougie. Il faut prendre une petite bougie comme ceci pour qu'elle puisse s'éteindre, ton soumis, et s'éteindre toute seule. Si vous prenez une grosse bougie de ce type, vous allez devoir attendre longtemps également. Bien. La bougie éteinte, vous allez sortir tout simplement votre billet, votre argent, d'accord, que vous allez le mettre en circulation. Vous pouvez acheter des cadeaux pour certaines personnes, vous pouvez acheter, compléter pour acheter de la bouffe à la maison, c'est comme vous voulez, d'accord, mais utilisez cet argent-là pour faire quelque chose, parce que si vous le gardez sans acheter quelque chose, ça veut dire que l'offrande n'est pas passé. C'est pour ça que c'est important d'acheter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de dépenser tout l'argent, mais
faites circuler cette somme, c'est-à-dire achetez quelque chose avec, d'accord? Que ce soit quelque chose de 10 euros, 20 euros, et puis le reste, vous pouvez continuer à acheter quelque chose avec. Merci de partager dans tous vos différents réseaux sociaux. Et si la vidéo vous a plu, encouragez-moi avec un j'aime. Pas le pouvoir de l'argent. On aime l'argent. Je vous souhaite un succès total. Belle.